le 9 mai 2019. Je suis allé avec Abel Marche, donc dans la prison de haute sécurité. Là, je l'ai visité avec deux médecins, un psychiatre et un médecin légiste, qui sont les deux sont spécialisés sur l'examination de victimes de torture. Et puis, on l'a visité pendant 4 heures. Et puis, les médecins l'ont examiné indépendant l'un de l'autre. Comme ça, on a pu comparer les conclusions après. Moi aussi, je l'ai interviewé pendant 1 heure bilatéralement. Les médecins étaient présents pour qu'ils ne répètent pas les mêmes questions. Mais après, pendant les examinations par les médecins, le reste de l'équipe n'était pas présent. Et puis, c'était très très clair qu'il montrait tous les symptômes qui sont typiques pour des victimes de la torture. Je ne peux pas. Maintenant, il y a quand même aussi une confidentialité médicale, mais disons, en général, on parle d'une anxiété très très élevée, un stress permanent. Et là, il faut aussi être conscient. Bon, le stress, l'anxiété, ça semble être assez normal, mais on parle d'un niveau extrême. Et d'ailleurs, aussi la torture physique, elle n'a pas forcément pour but de vous juste de vous faire mal physiquement, c'est pour créer justement cette anxiété et ce stress. Parce que finalement, la torture, c'est un processus psychologique, toujours. On veut toujours casser l'esprit de la personne, la résistance. Et ça, c'est mental, c'est pas physique. Alors, il y a des gens, on peut leur casser les jambes et les bras, et ça va pas casser leur résistance. Mais on peut les menacer on va, je sais pas, tuer leurs membres de famille ou violer leurs femmes, et puis ça va les casser, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui ont très 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 peur de la douleur physique, et il faut même pas les toucher, juste en menaçant on peut les casser. Et puis donc ça dépend de la personne ce qui va les casser, mais finalement si on parle de casser c'est toujours l'esprit, c'est le mental. Et l'isolement, c'est fait pour ça. Parce qu'on est des êtres sociaux, Sociaux. sociaux. On est des êtres sociaux, on a besoin des contacts, peut-être pas pour les 24 heures, les 48 heures, les 72 heures, puis après ça commence à devenir de plus en plus lourd et difficile. Si on ajoute encore une menace, donc la menace d'extradition dans un pays où, comme le cas d'Assange, où il ne va pas avoir une procédure judiciaire qui est équitable, où il va sûrement passer le reste de sa vie en prison, où on connaît les conditions de prison aux États-Unis. Oui, ils ont de la nourriture, oui, ils ont le chauffage, oui, ils ont tout ce qu'il faut pour l'hygiène, mais il n'y a rien qui est pour les besoins émotionnels et psychologiques de la personne. Donc, c'est de la torture psychologique d'être enfermé en isolement complet dans un supermax aux États-Unis. Pas seulement pour Assange, pour tout le monde. Et c'est connu, hein. C'est pas pour rien que les standards minimums sur le traitement des prisonniers des Nations Unies, donc les standards des Nations Unies, pas les prisons des Nations Unies, évidemment. Les standards minimums des Nations Unies pour le traitement des prisonniers, c'est les Mandela Rules. Ils sont très clairs, ces règles, que l'isolement, la détention solitaire de la personne, plus de 22 heures par jour, si ça dure plus de 15 jours, c'est du mauvais traitement. Donc ça doit être très très exceptionnel, c'est juste pour gérer des situations dangereuse, peut-être. Ça peut être une sanction si vraiment nécessaire, mais jamais plus que de 15 jours. Ça semble pas être beaucoup. Mais les gens ne s'imaginent pas quelle est la pression qui est imposée à ces gens-là en isolement. Plus, donc justement, il y a encore une situation de menace qui va encore, en plus, déstabiliser le sens de sécurité. Après, il y a
un environnement arbitraire qui s'ajoute, où on sait que, et si je parle d'un environnement arbitraire, ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance que les règles sont appliquées. On ne sait pas ce qui s'applique, quels sont mes droits. Si je pense que j'ai un droit, puis je me réfère à ça, après les règles ont changé ou ils vont ignorer mon intervention. Et ça, c'est très très typique pour des situations de torture psychologique. C'est délibérément créer ce système déstabilisant. En plus, on ajoute encore une humiliation et le manque de respect qui va encore de plus dévaloriser l'identité de cette personne. Et si ça dure trop long, ça va casser une personne et sa résistance. Justement, des gens, surtout des gens qui sont très intelligents, ils vont commencer à circuler quelque part dans leur propre bulle. Et puis, ça va les déstabiliser et détruire leur sens d'identité et de les points de référence avec la réalité. Et c'est fait exprès pour déstabiliser et pour casser une personne. Et ça, on peut mesurer avec le temps qu'après quelques mois, ça a des effets physiques, donc neurologiques, des capacités cognitives qui souffrent. Et c'était déjà mesurable chez Assange. Donc, les deux médecins, ils ont tout vu. Hein, les crimes de guerre dans les Balkans, c'est des médecins habitués à examiner des victimes des crimes les plus graves. Et puis, les deux étaient d'accord que celui-là, c'est une victime de la torture.